Les défis sont multiples dans un hôtel et dans une transformation, beaucoup plus que quand on crée un nouvel établissement. Nous avons, pour le sous-sol, développé un laboratoire qui est un laboratoire complètement fermé. Il s'agit d'un véritable aquarium. En termes de murs et d'éclairage, on lui laisse de la lumière naturelle et une visibilité sur ses collègues, mais il est véritablement dans son petit milieu. Et toutes les préparations se font au sous-sol. Le lavage de la vaisselle, le stockage des aliments se fait au sous-sol. C'est une aventure humaine qui, pour Ginox, a duré près de 5 années, de 2015 à 2020 pour la mise en service. Une cuisine ouverte qui devait être aussi spectaculaire mais aussi fonctionnelle que possible, avec un dégagement thermique minimum et un dégagement d'odeur nul vers la clientèle. Nous avons fait appel à Philippe Stark, qui a eu une vision de ce que cet hôtel pouvait être, comme un boathouse au bord du lac de Zurich. Nous avons choisi de travailler avec la société Ginox, parce que notre coopération remonte à 1998. Nous voulions, à l'Edenola, créer une atmosphère très décontractée, tout en ayant des services de très haute qualité. Et au travers de notre restauration, nous avons mis en place 2 restaurants et 1 bar. Nous voulions attirer la clientèle locale. Nous aimons travailler avec Ginox parce que c'est un travail d'équipe. Nous commençons toujours avec une feuille blanche. On a besoin du partenaire qui arrive à transformer notre discours en réalité.